Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Oula, putain, je sais plus moi. Oula, hop. Voilà, la joie d'être en période de vacances de Noël. Touk. Voilà. Oh! Que je fasse pas de bêtises. Alors, j'en étais où avec Miss Samantha qui vit des aventures fermières folles? Oh là. Déjà, ce qui est fou, c'est toutes les récoltes à faire. Vache, je fais trop de trucs. Même avec le raisin, là, j'y arriverai pas. Alors, voilà, y a les métaux. Y a les métaux, les métaux, les métaux. Donc nous sommes en automne. Voilà! Ça c'est une bonne organisation. Attends, là dans le verre je vais mettre une bois dur. J'ai pas un outil que j'ai fait optimiser, je crois. Ah bah c'est là où. C'est là où que j'ai fait optimiser chez le. Chez le forgeron. J'aurai là où heavy metal. Mais non, mais. Oui, gentil le chien. Bouge de là le chien. Attends, il faudra que j'arrose sur les côtés aussi, ou la vite.
Ah, le champignon commun. Un champignon commun. Oh, je dois avoir des grenades sur mon arbre fruitier. Je dois avoir des grenades. Nickel. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Bonjour Dragonsky. Oui, c'est bien. Bon usage de la commande. J'espère que tu vas bien. Ah là 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 là. Non, ça va, je tombe le coffre. Alors, les grenades est un fruit automnal. Les morilles vont aller dans le frigo. Alors, je vais sûrement faire de l'entretien de ferme. Ah oui, 5 minerais. Merde. Ah! Mais non! Ah, je sais plus jouer. Ça allait dans le truc. Et puis je pourrais faire un peu de tri. Enfin, le tri, je vais le faire naturellement au fur et à mesure que je joue. Putain, j'avais plus de morilles dans le frigo. Un scandale. Bon, vu mon nombre d'assiettes champignons, là j'en ai 11. J'en ai fait une tripotée. Ouais, entretien de propriété, c'est parti. Ouais, je vais bien. Je fais de la popote de différents clients. Je fais de la production et du conditionnement. Déconne pas. Tu fais aussi dans l'agroalimentaire? Ah, je savais pas. Waouh! Ah, tu m'épates, Dragonsky. Bien. Bonne popote à toi. Je pense par rapport à ta soirée bilan là de samedi soir. Les questions, foire aux questions, on peut te les déposer direct dans ton Discord ou en MP Discord. Pardon, j'en profite que tu te manifestes à moi pour te poser la question des questions. Ouais, sur Discord aussi, ton canal Twitch, je vais répondre en direct. Ok, 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 ok. Non, moi je pense que je vais te poser ma question, peut-être même dans la journée, durant ma pause déjeuner si j'y pense. Je ferai un saut sur Discord pour te déposer le message, ou tant pis, je le ferai demain. Parce que je pense que ma question te demandera de la réflexion. J'aurais pas de faire trop poireauter en direct, en fait. Bah, j'en dis pas plus, t'en fais pas, c'est pour jouer le jeu de la foire aux questions. Mais je crois savoir que depuis que je te connais, c'est une question à laquelle je t'ai pas soumise. Enfin, pas soumise, pardon. Je sais pas pourquoi je me fais mine, hein. Oui, parce que c'est une question. Alors, attends, je vais manger les champignons que non. Ok, ok. Et là, on va doper Samantha aux champignons mignons. Parce qu'il y a du boulot dans la ferme. J'ai plus ça. Ah oui, non, c'est les grosses souches que je peux déboîter avec ma hache. Non. Plus qu'elle bouffe des champignons hallucinogènes. Tu sais, à chaque fois, ça refait l'animation quand tu rencontres le sorcier. Tu vois la vie en Vosges.
Voilà, deux pages champignons, on continue. Hey, le système, enfin l'écosystème est bien pensé hein, dans Stardew Valley. Alors attends, je vais l'attaquer à la verticale. Des duos de carottes et aussi des salsifis pour la peinture. Wow. Ah bravo à toi. Ah ouais! Ah oui, production grande quantité, 5-10 kilos chaque. Ah ouais. Oh la vache! En effet. Ah oui, tu vas pas avec le dos de la cuillère, punaise. Ça bûcheronne, ça bûcheronne. Allez, je fais un dernier arbre, puis je rentre. Ouais, pas mal les récoltes de... Pas mal. Ah, dis-moi que la météo m'annonce de la flotte demain. Après ma pause du matin, je prépare des pâtes carbonara avec lardons et crème. Ah, c'est trop bon. Oh putain, il faudrait que je m'en refasse, tiens, bonne idée. Ça fait des mois que je suis pas fait... Des bonnes carbonara, faut que j'essaye. Maintenant, prévision météo pour demain. Il fera beau. Oh non. Le seul qui est pas content que la météo dise le soleil. Alors, le poisson, le doré jaune. Vous pouvez être ce poisson les soirs de pluie en automne et en hiver, toutes les sortes d'eau douce. Ah. Oui, poisson. Non, c'est surtout en hiver, je pense que je vais faire de la pêche. Toujours en prod grande quantité. Mais il est fou ce garçon, il est fou. Tu nourris tout ton village. C'est Ginny Douce. Tu dois avoir des marmites de grand chef là de 25 litres. C'est pas possible. Ah bravo. Faut le faire. Bravo à toi. Non, c'est dans mon truc des végétaux. Ya 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 ya. Hérésie, les carbos à la crème. Bonjour la Jed. Oui, c'est vrai, on met pas de crème non, dans les vrais carbonara, mais bon, c'est, on va dire que c'est une variante Lorraine. Les pâtes carbo Lorraine, voilà. À part ça, j'espère que tu vas bien, la Jed. Ah là là.
Ah, c'est vrai, entendre mon carillon, je me dis qu'il va falloir que je change pour l'année prochaine, au 1er janvier, là. Je pense, je risque de vous mettre un petit air de piano pour le changement d'heure. Ça me salutations, bien. Nous avons le plaisir d'accueillir la Jed. Oh, stylé, merci Dragon Skate de l'avoir fait pour lui. Ah oui, c'est stylé, c'est bien. Je crois que c'est la première fois qu'on m'annonce la Jed comme ça, c'est la classe. C'est la classe. Ouais, attends, faut que je mette sur les parties déjà élaborées parce que comme j'ai pas ma houe et qu'elle est en cours d'optimisation chez le forgeron, faut pas que je me plante. Je sais pas pourquoi, mais je peux sentir que tu sois atterré, comme d'hab. Non, j'arrose le... Ah, n'importe quoi. Alors, dans la saison suivante, que sera l'hiver, il faudra vraiment que je prépare le terrain pour la nouvelle année, en fait, pour Stardew Valley, de manière... le niveau au-dessus, quoi. Je vais essayer de me faire des arroseurs automatiques. Comme le plan de ligne, là, organisé en carré. J'ai plus qu'à récolter, qui a rien à faire. Bien d'homme. Et B. Hop là. Alors, la vigne. Ça y est, il y a encore Zeus qui joue avec la vigne. Il est tout content, il fait son foufou. Ah bah non, c'est arrosé automatiquement, je suis débile. Justement, c'est les seuls plans de vigne qui sont en arroseur automatique. Alors, je pense que je vais poursuivre l'entretien de la ferme. Mini papillon, je peux faire du charbon ici. Ah oui, j'ai ça à récupérer. C'est bien, c'est cool, je suis content. Attends, que je fasse une manip de rangement. Enfin, faussement. Ouais. Je peux mettre l'arrosoir là. Oui, oui, c'est vrai que le... Un peu spécial, là. Voilà, je fais comme ça, tac, je rouvre le coffre, ce qui me permet de ranger minerai et bois comme ça. Très bien! Oui, bah les cailloux, c'est les cailloux. Ouais, ouais, rien à redire. Très très bien. Ouais, j'ai beaucoup de pain que je pourrais planter, vache. C'est les chênes qui sont les plus rares, faut que je fasse gaffe. C'est pas équilibré dans mon entretien de... Kiki, elle est pas coquin, monsieur Dios. Il fait une tête. Oui, c'est plutôt propre par ici. Merde. Ah oui, j'ai pas fait les champignons. Faut que je pense aux champignons. Faut que je me décide pour démonter l'ancienne alim ce matin, en plus ça fonctionne bien avec, je comprends plus rien. Ah.
T'as gardé la lime précédente qui était déclarée défectueuse, mais finalement elle fait le boulot maintenant. J'espère que t'as pas un problème dans ton réseau électrique, Legend. Que t'as pas des sous-tensions. Mais alors, tu me dis, Dragon Sky, je pense faire mon contenu additionnel pour Pokémon Violet ce week-end en même temps que la foire en question samedi soir. C'est pas con, oui, pourquoi pas. Oui, merci, ouais, de ton partage. C'est vrai, j'ai regardé ton billet d'info que tu m'avais fait. Oui, je vais laisser les sapins sur le côté. Ça fera une belle délimitation. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Attends, je vais déchirer. Attends, oui, en bas, il y a encore du boulot à faire, je crois. Non? Ah non. Il y a rien à récolter de manière sauvage dans le patelin, non? Ça me coûte cher pour faire les outils en fer. Ouais. Ouais, c'est 5000 avec 5 lingots, ouais. Ça douille. Ah oui, je pourrais même ne plus m'arrêter et faire les sapins en extérieur. Chiche. Enfin, je peux surtout replanter ce que j'ai là aussi. Ce qui est pas con. Là, j'ai pas le droit, je sais pas pourquoi. Là, c'est bizarre. Ah ouais. Je crois que j'avais le droit de replanter. Ah, là je peux. Alors allez savoir pourquoi. Étrange. Eh bien. Oh. Ah, celui-là est de haute qualité. Il est en or. Ah, je disais la part. Oui, peut-être à plus tard, merci, oui, bonne fin de matinée, merci Dragon Sky de passer Zubi. Bon courage pour ta grosse popote. Enfin, ta popote en quantité et qualité. Non, je vais laisser celui-là. Non, j'abats surtout les sapins qui sont plutôt communs. Merde, elle va être au bord de l'évanouissement, la pauvre. Je lui en demande trop, Samantha. La malheureuse. Ah bah oui, j'ai pas de houe, donc je peux pas faire les vers qui se battent en duel. Faut que j'attende que le forgeron me la restitue optimisée. Mmh.
Oui, donc ça, j'ai fait... Ah non, j'ai pas fait. Merde, j'ai failli oublier. Oh, le grenadier a produit un fruit ou pas? Ah oui. Merde. J'ai donné une mandale au... J'ai donné un coup de... De gourdin au... Au grenadier, n'importe quoi. Fausse manip. Et qui a tous... Merde, j'ai donné un coup de gourdin à mon chien. Rien ne va plus, faites vos jeux. Si je vais pas mettre les champignons là aussi, ce qui me semblerait somme tout assez logique d'ailleurs. Oui, bah le bois, je vais continuer à en faire cuire. Il faut faire la bonne manip. Oh, ouais, là aussi j'ai des ailes de chauve-souris, mais bon. Les morilles, je vais les ranger dans le frigo. Les morilles vont filer dans le frigo. Alors, la météo. Nuageux et vent. Ouais. Non, je pense forcément. Ok, malin, je pas forcément. Il y a les dents, les dents. Voilà, comme ça, j'aurai. Hop, le bois. Une canne à pêche de base que j'ai. Ah oui, j'ai des paniers à... Ah non, j'en ai deux, des cannes à pêche. Ouais, quasi à crabe aussi. Oui, il faudra que j'essaie de les mettre sur les bords de plage. Ce serait pas mal. Ah, j'ai une taille de mangeaison à la cuisse, mon dieu. Je vais me gratouiller. Ah oui, les appâts. Ouais. Pardon. Il faudrait que j'appelle de m'en servir aussi. Ouais, bah les autres champignons. Oh, aussi les résultats de sève des arbres là. Est-ce que je le mettrais pas dans le grand coffre vert? Ce serait peut-être une bonne idée au niveau du tri. Au niveau du tri. Dans ça, je pourrais langer. Oh la vache, plus 75-33, ça donne pas mal. Ça donne pas mal. Ouais, merde, je mettrais le sirop d'érable. Enfin, oui, le bois dur, je peux le ranger aussi en extérieur. Les carottes des cavernes, je les mettrais bien dans le frigo direct. Parce que je sais qu'il y a, le coup du hamburger du mineur là qui est à base de carottes des cavernes. Donc ça va servir. Le sirop d'érable aussi, pourquoi je le range pas dans le, frigo? Ça fait tellement logique. Ouais. Attends, je ressors rapidement mais pour me... Ah merde, il va y avoir une chauve-souris qui va venir m'enquiquiner, je l'entends, elle arrive. Tac, tac, ouais. Et dans le coffre automnal, je mets la grenade. Ah, il y a la chauve-souris qui arrive par le bas. Attention, action. Elle est là, la vilaine. Ça y est, elle est morte. Il est morte.
Ah, mais oh là là, mais j'ai un bordel. Pouf. Ah oui, tu m'étonnes qu'il est rare le champignon. Il donne 125 en énergie et 56 en santé. C'est complètement craqué. Oh là 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 là, oui. Les lingots à ranger. Ouais, boudon de pain, je vais sûrement me mettre dans le. Oh le bordel que j'ai arrangé dans Stardew Valley. Chez Napot Nawak. Ouais bon bref. Allez, dodo pour Samantha. On se barre. Ah bah tiens. Oh, la nature a été généreuse. Ah oui, et puis j'ai le quota à faire péter le score au niveau des cranberries, là. Non, il n'y a rien que je jette à la poubelle, ça va pas, non. Tout est précieux dans Stardew Valley. Oui, champignon spécial aussi, je vais le mettre là. C'est moi ou le forgeron a toujours pas préparé ma houe. Non, attendez, c'est là-dedans, je crois. Non, même pas, c'est le coffre noir pour les métaux. Oui, grenade, oh là 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 là, vite, il y a du tri à faire. Ouais, les graines d'été. Ça aussi, les graines, je devrais les ranger dans leur coffre respectif là, de saison. Mon dieu, mon dieu, je sais plus où placer mes yeux, il y a trop d'éléments à l'écran, je deviens tout fou. Ah, attends, il y avait un truc de printemps. Oui, c'est les graines de printemps. Et il y a les graines d'été. Voilà. Là-dedans. Je sais même pas pourquoi j'ai pris un poireau, n'importe quoi. Donc champignon. Non! Ah, j'ai une défectuosité de la manette, elle vieillit, et j'ai un coup qui part sur la droite souvent. Ce qui fausse complètement mes trucs dans les jeux, mais bon bref, je suis plus assez prêt. La fameuse réplique, c'est la faute à la manette, mais c'est bien vrai. Pour ma part, elle s'est décalibrée avec l'âge. Hey, il va falloir que je fasse un coffre spécial gelé parce que j'en ai de chaque type, je mets des trucs au pif, c'est bon. Ça devient n'importe quoi. Et là, je mets le minerai. Le reste en partie ira dans le frigo, enfin peut-être pas le poireau, quoique. Ouais, ouf, je reverrai plus tard pour les. Les végétaux. Allez, où on va ranger ça dans le. Hop. Et j'attaque la journée à la ferme. C'est parti, to the go. Je veux dire, autant démarrer par le bas avec un arrosoir plein. Ah bah tiens. Oh, du maïs qualité argent. Stylé. Ben, si j'y pense, je rends visite au forgeron avec mes géodes. Parce que
Ça me permettra de pointer s'il me dit qu'il bosse toujours à la pour la ou pas. Alors j'ai loupé le message, elle est prête depuis plusieurs jours, je l'ai pas récupéré. C'est pas impossible non plus. Attends. Intelligemment, j'arrose, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, les Cambridge, la baie du Canada. Vas-y à tour de bras, je la récolte. Cette frénésie, c'est joli. Et du coup, j'ai battu leur corps là, que vous voulez que je batte le maire ou pas? Attendez, on va regarder dans le menu. Parce qu'il y avait un semblant de défi du maire, vous recevez un prix à la fin du mois. Enfin, une subvention agricole si vous produisez 100 Cambridge. Et 100 Cambridge. Et j'en ai fait. Ah oui, merde, j'avais pas eu, oui. Oui, Caroline veut sculpter une citrouille avec sa fille, elle vous a demandé de lui en apporter une à la ferme, j'avais oublié de valider cette quête. Je lui ai apporté une belle citrouille de ma récolte. 500 pièces d'or, c'est bon ça, elle est généreuse, Caro. Commande de récolte, et voilà, 100-200, et ben j'ai gagné. Il faut que j'expédie 100 Cambridge. Oh la vache. Voilà, attendez, je vais faire le 100 Cambridge après. Alors non seulement ça va me rapporter de la thune, la vente brute des Cambridge, mais évidemment je vais avoir un bonus de quête. Je vais avoir droit à la subvention. Bah c'est le maire qui parlait là, je sais plus, il y a Jajaville. Non, Zulouville, je crois que c'est. C'est rigolo comment il l'appelle. Merde, il n'y a plus d'eau. Attends, bah je récolte les... Oui, t'as frayé un corbeau, bravo. La 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 la. Hop hop hop, je remets le 1. Et rejouir. Les rejouir les secs, d'ailleurs faut pas que j'oublie la gamelle du chien. Ne pas torturer le pauvre Zeus, il fait bien son boulot de gardien. Je sais déjà plus si j'ai arrosé les plants là. Donc on est d'accord, le chien il a eu son eau. Il va falloir aller chercher les champignons maignants dans la grève. Bonjour Twinson. Tatatatac, c'est voilà, trouvé dans la grotte. Je dois avoir les. Oui, les grenades par défaut, oui, j'en ai une. L'arbre fruitier à. Hop! Regardez-vous là le Stizeus. Oups. C'est bien, il se défoule, il gambade. Merde, je voulais sélectionner la foule, j'ai pris la pioche. Tout va bien. Ouais, allez, je vais aller voir le forgeron parce que j'ai dû commettre une erreur de gestion. C'est pas possible. Je suis surpris qu'il me garde la houe pour l'optimiser aussi longtemps. Ça me choque. Et je vais aller voir. Ah, puis il y a les canneberges, les canneberges, les canneberges, les canneberges. Il faut que je fournisse les canneberges. Est-ce que j'ai des géodes ici? Ah, j'ai une omni-géode. Enfin, une géode omni, pardon. Je dis le nom à l'envers. Ah, on va y arriver. Voilà, les Cambridge. Ah bah voilà, j'en ai 101 de... Très bien. Très très bien. Voilà, voilà, je vais en livrer 100. Trop trop bien. Merde. Ah.
La chanterelle, elle se range pas là. Oh la vache. Oh, le maïs, c'est en toute saison. Ouais, je vais peut-être mettre le maïs dans le coffre à automne. Ouais, je rangerai la morue dans le frigo. Le beau champignon va aller là. J'ai pas de géote qui traîne dans mes... dans mon bazar, on peut le dire. Tiens, j'ai encore des graines à ranger. Alors j'ai choufle. Ah, je vais peut-être aller voir aussi le gars du musée. Attends, j'ai peut-être des trucs que j'ai pas fait identifier. Ouais, la métisse, j'ai pas fait identifier. La graine ancienne non plus. Ça aussi. Ça aussi. Oh la vache. Oh la vache. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas fait faire par le mec du musée. Attends, voir. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Oh, les algues. Oh, elle est blanche, super visqueuse aussi. Apparemment, se mange. Oui, bah, j'en ai déjà pris des... Enfin, moi, je vais regrouper les améthystes. Ah, coquillage, c'est pour la maison communautaire. Il faudrait que je fasse la maison communautaire également. Ah, peut-être pas tout faire en même temps. Non, je sais pas. Ah, ça, il connaît pas Gunther. Ça non plus. C'est déjà pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là, non? Oh là là, oui, j'ai encore plein de trucs pas rangés. Tant mieux, c'est bon signe, c'est la richesse. Oui, le coffre là, je l'ai complètement ignoré. Ah, tiens. Ah, carambole. Carambole. Attends, en été, la carambole, c'est ça? Ouais. Ça, c'est en été, c'est les melons. Ah, graines de chou-fleur, printemps, c'est le coffre vert, le printemps. Voilà, ça, c'est un tri intelligent. Voodoo Dew. On y croit. Et le dernier coffre, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, il y a des trucs, oh là là, mais j'en fous partout. J'en fous partout. Ah oui, il y a l'encre aussi. Ouais. Bon, c'est pas mal. Franchement, là, il y a de quoi faire. Allez, mange-toi les fesses, Samantha. Vite. Avant qu'ils ferment leur boutique. Miaou. La mise qui trace dans tout le village. Miaou. Mais il a son charme, hein. Il est mignon comme tous. Ce village de Stardew Valley. Oui, j'allais vider grandement mes poches en allant d'abord au musée. Oh! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je savais pas qu'elle irait dans la bibliothèque, la miss. Salut, Abigail. Est-ce que tu fais pousser des citrouilles sur ta ferme cette année? Ouais, j'en ai fait pousser. Tu vas bientôt le savoir, ta mère prépare une surprise. Bon, bref. Alors, Gunther. Faire un dos au musée. Ouais. Ouf! Ouh, je vais ressortir les poches pleines de récompenses. Obligé. Putain, le disque, ouais, il est énigmatique. Merde, j'ai un bug de pointeur. De curseur. Ouais, les belles pierres. Putain, putain, putain. Ah, modeste, je m'attendais à plus. Ah, il reste la graine délire. Je sais pas, je mets là. Voilà, ah, j'ai comme des récompenses, merci. Je suis ravi. Alors, on voit de la thune. Ah, mais j'en ai trois en fait. Ah, graine ancienne, recette. Un plan pour fabriquer graine ancienne. Va-t-elle encore pousser? Ah, une chose, un végétal inconnu.
en un exemplaire. Waouh, c'est quoi le délire? Alors je mettrai ça au printemps prochain si j'y pense. Les collines de Jade. Oh, sympa, là, des tableaux de déco. J'aime bien l'idée. Ça me plaît, l'idée d'avoir des tableaux en récompense. Alors, mec, t'as fini ma... Merci. Ah, il l'avait fini depuis plusieurs jours. C'est moi qui joue mal. C'est moi qui joue mal. Alors, attends, transforme des géodes. Oui, je n'ai rien optimisé. Mes outils, j'ai plus de thunes. Alors, vas-y. Ah, ça va être encore pour du... Pour Gunter du musée. Qu'est-ce que c'est que ça? Minerai d'iridium. Il m'a sorti des trucs. Un minerai exotique avec de nombreuses propriétés intéressantes peut être forgé en lingots d'iridium. Oh! Ah bah j'en ai encore deux à donner à Gunter. Eh bah merci mec. On retourne au musée. Oh le bordel. Allez, deuxième service. Ah oui, ouais, non, c'est un présentoir à Pierre. Attends. Ah bah tiens, nouvelle récompense, ça fait plaisir, mais... Est-ce que je peux réorganiser les... Oh, c'est mignon! Un gros ours en peluche. Ah, oh, c'est trop mimi. Attends, en y allant, je peux pas réorganiser les pièces. Ah, même le beau gosse qui lit. La forêt est un endroit magnifique, tu y as déjà été? Ça dépend de quelle bois tu parles, mon gars. Pas sûr. Pierre océanique, une vieille légende... Ah, il y a un truc pour chaque objet. Pierre océanique, une vieille légende prétend que ces pierres sont l'une de la musique des sirènes. Hein, c'est beau. Ancre, elle a peut-être appartenu à d'anciens pirates. Ah, qu'est-ce qu'il dit pour l'ancienne graine? Graine ancienne, c'est une vieille graine séchée provenant d'une ancienne, d'une plante ancienne. En apparence, elle est morte depuis longtemps. En apparence seulement. Le miracle de la vie va faire que... Je vais vous en faire germer dans ma... Dans ma propriété. On peut pas organiser, ça m'étonne. Ouais, bizarre. Bon, je vais gérer la Conbridge. D'ailleurs, je sais plus, il a quoi le maire chez lui, là, qui fait mairie. Tout le monde peut y entrer, mais... Il n'y a pas un... Oups. Oh, du minerai de cuivre, c'est étonnant. Oh, mais c'est le docteur, qu'est-ce qu'il fout là, lui? N'oublie pas de couvrir ta bouche en éternuant. Oh, l'hôte, toujours des conseils santé. Tiens, t'aimes ça? C'est un si beau cadeau, merci. Eh ben voilà, ouais. T'auras du raisin frais. Alors... C'est quoi, ça? Alors, la boîte des objets trouvés du village. Ici, vous pouvez collecter les livraisons incomplètes des commandes spéciales passées. Récupérer les objets perdus et les livraisons incomplètes. Charbon. Ouais, je l'avais laissé sur le présentoir, c'est vrai. Ok, c'est quoi ça? Journal des mariages de Pelicanville. Bonjour Tomouf, pardon. Voilà, mon pauvre, j'ai presque mis un vent. J'espère que tu vas bien, Tomouf. Tu vois, je suis complètement capré par le jeu, excusez-moi. Journal des mariages de Pelicanville. Après le mariage, vous pouvez déposer ici une demande de divorce. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. Oh mon dieu, ils ont même prévu la procédure du divorce. Tiens, tiens, ceux qui sont endurants dans Stardew Valley, il y en a qui sont mariés avec tout le monde. Mariage, divorce, mariage, divorce. 10 fois marié, 10 fois divorcé. Je vais bien, merci. Ouah, ça va loin. Puis t'imagines, tu fais des gosses avec tous les villageois. Ah, c'est horrible. C'est horrible, ça deviendrait un village de consanguins. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Ne me dis pas que le jeu a prévu ça. Ah, oh, l'horreur. Ouah, ça me... ça me donne presque des vertiges, rien d'y penser, là. Oh là là, non, Stardew Valley, vous avez pas fait ça. Notre bon maire m'a confié la responsabilité du jardin public du village. Ouais, Evelyne, t'es la meilleure. Attends, je vais te donner un truc, bouge pas ma grande. Tiens, c'est pour toi. Oh mon dieu, c'est magnifique, c'est très gentil de ta part. Voilà, comme ça. En version mamigateuse. Mais ouais, bon plat de champignons, je crois que j'ai fait. Oui, ah bah oui, à base de morilles.
Elle va s'éclater la panse. Alors, expédier les Cranberg. Donc là, normalement... Ouais, il va compter le expédier les 100 Cranberg, la validation le jour suivant. Mais c'est cool. Alors... Oui, la graine spéciale, je la planterai au prochain printemps. Là, je la joue stratégie. Je vais ranger mes... Ah oui, alors, Iridium, punaise. C'est énorme. C'est énorme. Iridium, je n'aurai pas souvent. Hein. Les pierres, je peux peut-être les ranger dans le coffre là. Merdome. Non, la Mori, tu reviens. attends, il y a raison. Oui, les déchets, je vais peut-être les ranger dans le coffre noir. Ce serait logique. Mais même les déchets, je me refuse de les jeter parce que je vais sûrement pouvoir en faire quelque chose. Oui, les noisettes se... Merde, je suis déjà blindé de... Oh. Inventaire plein. Oui, le... Oh là, tout de suite. Je vais mettre ce beau tableau dans ma baraque. Bah là, par exemple, très bien. Très bonne idée. Magnifique. Oh, c'est superbe. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis déjà fan. Alors, attends. Coffre noir. Le coffre noir, lui, va garder des déchets, ouais. L'idée me plaît bien. Ah, j'ai oublié de ranger la peluche. Pas grave, ce sera le soir. Attendez, mon cerveau est en train de bugger parce que j'ai trop de trucs à gérer. Stardew Valley est d'une richesse folle. Ah, faire un coffre à geler, oui. Oui, oui, oui. Faire un coffre à geler. Digue, 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 digue. Bonjour, Nayonet. Non, c'est l'automne, le... Non, je vais pas manger de maïs. Oh, je me tâte. Est-ce que je mets les butins des monstres ici? Peut-être pas, non. J'essaie de m'efforcer de les mettre dans le coffre noir. Ce serait logique, il faut que je fasse un coffre pour les geler. Oh. Ah bah tiens, j'en ai encore là des gelées. D'ailleurs, il faudra que j'en prépare la baie de saumon, là, oui. Baie de saumon, vas-y voir. Allez, go. Au moins, ça carbure. Ouais, c'est une baie printanière, la baie de saumon. Coffre noir égale truc d'ennemis, là. Les boyaux des ennemis, burk. J'essaie de faire du tri dans Stardew Valley, c'est la folie. Ouais, ça va bien. Ouais, ouais. Alors, je suis pas en top forme, mais c'est pas... C'est, voilà. Je suis en grande phase de décompression de vacances. Mais je vais bien, merci. Ouais, j'espère que toi aussi. Je suis totalement concentré dans mon Stardew Valley. C'est la folie. C'est la folie, folieuse. Alors, les pots de gelée confiture, je mets ça où? Ah, il y a tellement de... Putain, mais j'ai encore un pli de ma boule à faire. Puis il faudra un moment un coffre pour les poissons. Ah, mais je pense que le coffre des poissons, je le mettrai près de la cuisine, parce que le poison... Je suis une sorcière, la sorcière Samantha. Ah, non, le poisson. Va être bien sous la main. Ouais, tu vas bien. C'est cool, Nayonet. Le poisson... en cuisine, forcément, pour les plats.
forcément pour les plats. Ça pourrait être ouais, un coffre à cailloux, ça. Et du coup, je mettrai les baies là. Je mets, enfin, les baies, les confitures là. Je mets ça en rose. Ouais, ou en rouge vif. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Du coup, les cailloux vont aller ailleurs. Ils vont aller à l'extrémité. Oh là, c'est, oh, ça, c'est un truc de la mer. Oui, bah ça, c'est des restes de... Bah oui, de combat. Ardoise, ouais. Omnin, ça va aller dans les pierres. Coffre noir, reste d'ennemis, donc les restes d'insectes, enfin la viande d'insectes tel qu'ils l'appellent. Ouais, ça fait pas mal de trucs. Hein. Prune sauvage, c'est d'automne, non? Je crois. Hein. Je pense que je range au bon endroit. Bon, c'est pas mal. Je vais... Ah, je peux refaire du... C'est bien. De ces minerais. Et ben voilà, au moins ça va carburer durant la nuit. Oh, le jeu. Oh la vache, il prend de la place, le nounours. Il est pas petit. Mais il est mimi. Oh, en attendant, je sais pas, je le mets là. On va dire pour combler un vide. Ah ouais, j'ai. Non, mais c'est bien, j'ai quasiment ma pièce. Merde, je mets un morceau de bois, moi. J'ai quasiment ma pièce en entrepôt. Il faut que je fasse quelque chose de cette pièce. Le coffre. La cuisine est évidemment hyper pratique. Mais... Ouais, là, tiens. Bonne idée. Je vais me faire un coffre à poissons. Les poissons de pêcher à cuisiner vont là. Donc je mets un bleu... Ouais, un bleu... Ouais, bleu turquoise. Encore que ça se confond avec le carrelage. Ce qui est pas plus mal. C'est dans le thème de la cuisine. C'est, ça a le mérite d'être cohérent dans la déco. Bulletin météo. Alors demain, beau. Merde, faut arroser. Oh. Bonjour, c'est moi la reine des sauces. Blablabla. Soupe à la truite. On parlait de poisson. Il y a quelque chose avec une truite. Attends. Oui, il y a quelque chose avec une truite fraîchement pêchée qui m'enchante. Peut-être que c'est le goût subtil de la rivière. Quoi qu'il en soit, j'ai une merveilleuse recette de soupe à la truite à partager avec vous aujourd'hui. Oh. Oh, Chevrolet SSR. Ah, c'est un... Si je dis pas de bêtises, Nayonet a pioché... Ouais, je te pique une bagnole. Tu as pioché un pick-up américain. Un Chevrolet SSR, je crois que c'est un pick-up. Oh, il faudrait que je refasse du Gran Turismo aussi. Mardi. Peut-être que j'en ferai dans la semaine. Tiens, ce serait peut-être pas une bonne idée, mais il faut que je replonge la PS2. Là, c'est la PS3 qui est branchée. Enfin bon. Attendez, au lieu de perdre mon temps dans Stardew Valley, que je réfléchisse. L'arrosoir est là. Quoi, une pick-up? Oh, pff. N'importe quoi, Nayone. N'importe quoi. Dis-le, bonne aventure. Elle dit quoi? Esprit d'humeur normal. Ah, neutre. Neutre. Ah, on va voir si mon défi Kenberge a été honoré. Oh la vache, le dopage, la récompense d'automne. D'ailleurs, c'est bête, mais... Ah oui, non, je vais peut-être pas le mettre dans le frigo. Et le frigo, c'est les ingrédients pour faire les plats, mais c'est pas les plats. Non, je regrette déjà. Oui, ça, je sais où est-ce que je vais les ranger. Ça aussi, c'est le coffre de la mer. Ah ouais, oh là là. Ah bah tiens, le coup du poisson. Je vais déjà le ranger. Algue vert, corail.
Mais oui, j'ai plein... Oh là 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 là, j'ai 14 milliards de trucs à ranger déjà. Merde, j'ai plus la place. Bougez pas. J'ai déjà du poisson à ranger. Voilà, c'est bien. Je mets en lumière le mon propos là. Oui, j'ai même pas fait le bon coffre. Ah oui, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Je retourne dehors. Tant pis, je vais me prendre des ennemis, des chauves-souris dans la tronche, mais... Non, alors déjà, il y a les... Pardon. Ah, voilà, éternuement en direct. Piqué, un pique... Oh, t'es en grande forme, Lyonnais. Oh mon dieu. Aïe, t'as perdu. Alors, les déchets... de la mer, attends voir. Là j'ai les pierres, les objets spéciaux. Le reste c'est des produits de la mer. Oh là 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 là, le bouxon. Ah bah tiens, les prunes. Les prunes sauvages, et ça, c'est de l'automne. Les aubergines, c'est l'automne. Le radis, c'est plutôt printemps, je crois. Encore, je suis pas sûr. Voilà, noisette, c'est l'automne. Aubergine, l'automne. Non, radis, c'est une autre saison. Merde. Je me suis planté. Été, printemps. Je vais me mettre à printemps en attendant. Ouais. Les produits de la mer, c'est en bleu. C'est le coffre bleu qui a encore des déchets. Bois flotté, déchets, oui, ça va pas. J'ai un instrument, il devrait pas être là, mais bon. Ça, ça va dans le truc noir. Champignons. Oh là 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 là, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Oui, alors attends, le corail, le corail, le corail. La palourde, là elle peut être utilisée en cuisine, donc je vais le mettre dans le frigo. Ok. J'accepte de mettre les algues dans le frigo. Faire les sushis, je présume. Ah, la moule est un poisson, ouais. C'est considéré comme un poisson. Ouais, je le mets à part quand même, on verra. À moins que j'ai vraiment un plat à base de moule. Je sais pas. Je n'ai pas assez la cuisine pour en avoir une idée. Mais... Non, le lance-pierre, je vais le rentrer dans la maison, chez moi. Les déchets, voilà. Faut faire le tri, absolument parfait. Champignon commun, ouais, je peux le mettre là, le beau spécimen. Ouais, bah c'est bien. J'ai été vraiment surpris de ne pas me faire attaquer par un ennemi, là. C'était l'occasion en or que je me fasse patater, et bah non. J'ai pas eu de chauve-souris ou d'homme, je sais pas quoi, là. Oh la vache. Ah oui, poisson. Truc arc-en-ciel. Ouais, il y a encore des trucs à ranger. Ah, ah, ah. Hop. Les algues, je vais les mettre directement dans le frigo. Direct, direct. Ok, alors... Ouais, tant qu'il est pas minuit, je suis encore du rangement. Je suis pas hors délai pour le dodo, donc... Ouais, ça se range, ça aussi, je sais où. Ça, c'est le truc de l'hiver. Il y a la noisette. Oh, le centre communautaire, c'est vrai que j'aurais tout le temps de le faire en hiver.
Oh là là, entre la pêche et aller miner, s'il y aura rien à récolter là dans la. En hiver, ça va être la saison morte, normalement. Sol de rétention de qualité, ouais. Bon, bah c'est cool. Dodo Samantha. Alors, voilà, diggy diggy ding. Les canneberges, j'en ai fait 100 comme m'avait demandé le maire. À l'export. Donc normalement, ma quête est honorée. Je suis remonté à 10 000, c'est ça? Ah oui! Commander une... What? Wouah! Oh la subvention, elle est trop bien! Oh la vache, elle est généreuse! Il y a un nouvel engouement pour les produits de beauté à Zouzouville. Apparemment, une lotion à base de canneberge peut apparemment éliminer les rides. Quiconque expédie 100 canneberges avant la fin de la saison recevra une récompense substantielle du fonds agricole de Pélicanville. 4 100 pièces d'or! Eh ben, je regrette pas d'avoir relevé le défi! Oh la vache! Je monte à 15 000 de thunes! Ah, j'ai dit oui! Pas ma soif. Ah oui, il faudra que je fasse mes propres bières, moi. Friandise de vache. Ah, la marrante, oui, c'est la l'espèce de blé mauve, là. Tout au fond. Ah oui, non, là, je suis pas allé au fond de la mine. C'est pas pour maintenant. Panier de mûres, la saison. Ah oui, c'est vrai, Linus a perdu son panier. Ah. Ah, le malheureux, il a perdu son panier, le pauvre petit Linus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Cristal de terre, je longe là. Le triste de saison. Alors, hiver, là j'ai le fruit de l'hiver, le fruit de cristal. Automne, j'ai les noisettes. Ah oui, j'ai un truc de métal à ranger. Je boing. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça prend forme mon truc. Oh, le houblon. Est-ce que je suis en capacité de faire ma propre distillerie? Je crois pas. Hein. C'est quoi ça? Presse à fromage, machine à maillot, métier à tisser. Oh, métier à tisser. Transforme la laine brute en tissu fin. Oh là, faut avoir des moutes-moutes. Ou des champs de coton, peut-être, je sais pas. Mais je crois pas qu'il y ait du coton. Machine à graines. Placez votre récolte à l'intérieur pour produire une quantité variable de graines. Ne fonctionne pas avec les graines d'arbres fruitiers. Ouais, mais c'est pas mal. Pas mal la machine à graines. Ouais, ça peut être intéressant. Machine à huile. Fabrique de l'huile de truc gastronomique. Oh la vache. Le bocal, nanana, fourneau à charbon, tonneau. Eh ben, le tonneau, si j'y mets du houblon, je vais obtenir de la bière, non? Ça me semble logique. Est-ce que j'ai de la résine de chêne? Alors, faut que je regarde si j'ai de la résine de chêne. Ah, ce serait bien de mettre des ruches plus tard. Ah! Faudra que je m'installe des ruches à l'hiver prochain. Tiens, faut que je mémorise. Attends, du coup, je vais lire le courrier en soirée. Je vais être vilain. Oh! Et si je déposais ma pioche chez le forgeron à 5 000 pour qu'il me l'optimise à donf? Ça me permettrait de préparer l'hiver, d'être super puissant dans la casse de roche à la mine en hiver. Je pense qu'il y a un véritable intérêt stratégique à le faire, ça. Ah, je suis tenté de faire l'optimisation pour l'hiver. J'aime bien Jaro, je sais même pas si mes végétaux vont donner quelque chose avant la fin de la saison ou pas. Tant pis, hein. Qui tente rien n'a rien.
Ah, je vois que j'ai encore du raisin. Ah ouais, il faudra peut-être que je fasse des tonneaux là. Pour faire de la bière et puis du vin. Oh, j'espère que ça rapporte de la thune. Je serai un grand cru dans ma ferme. Ah, ça va devenir château paradis, la ferme paradis. Ça va être mieux coté que le Saint-Émilion, le Beauté-Émilion, le tout ce que tu veux, ça vaudra des millions. Et de la résine de chêne pour faire des... Ça c'est de pain. Je crois que j'ai tout fait sauf chêne, le mec qui a tout fou. Attends. Oh là là, on va re-remplir l'arrosoir. Alors, récolte. Récolte. Ouais, puis je repartirai dans l'autre sens. Hein? Il a entendu que j'ai versé dans sa gamelle ou quoi? Il est posé, le chien, il est rigolo, Zeus. Il est dans son coin, il est content. Les champignons mignons, tagadagadagadagada, ouais, les communs, comme je les aime. Eh, des communs, il va m'en falloir pour l'hiver. Parce que je carburerai ça dans la mine. Alors, je vais filer faire l'optimisation. C'est quoi le courrier? Samantha, je voudrais vous remercier d'avoir pris soin de ma commande spéciale. Tout le travail acharné que vous avez accompli a aidé à redorer l'image de Pélican Ville. En remerciement, je vous donne mon mini bac d'expédition. Mettez-le n'importe où et je m'assurerai de m'arrêter pour jeter un coup d'œil quand je ferai mes rondes. Lewis. Ah, le maire me récompense. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est énorme. Un équivalent de ça. Je vais le mettre chez moi en intérieur. C'est tout bénéfique. Bah oui. Mais oui, c'est tout trouvé. Je vais le mettre en intérieur quand j'aurai fini de... si ça marche en intérieur. Mes plats préparés en cuisine. Ah bah non. C'est vrai que j'avais dit que j'avais fait un test en cuisine. Les plats préparés, c'est la ruine. C'est pas rentable. Ça paye à peine l'ingrédient principal. Et non, c'est une fausse bonne idée. Les plats, faut que je les garde à offrir ou pour moi. Je sais pas, je vais mettre le mini bac à l'autre bout de la propriété. Ou quand j'aurai peut-être une ferme avec des animaux. Pour les œufs, machin, je sais pas quoi. Quoique non, les œufs, je vais en faire de la mayo. Mais... On va voir. Alors, attendez. Sérieusement. Est-ce que j'ai... J'ai l'impression que j'ai pas le truc de... Merde, c'est là où j'ai oublié de faire un seigneur sur un pain. Enfin non, le pain j'ai. C'est peut-être un chêne que j'ai pas saigné. Ah merde! Donc j'ai pas ce qu'il me demande pour faire des tonneaux. Voilà pourquoi je fais pas le truc. C'est parce que j'ai pas l'élément. Attends, ça ressemble à quoi? Je vais regarder dans le... Voilà, tonneau. Résine de chêne. J'ai jamais eu de résine de chêne, moi. Faut que je me fasse un seigneur pour la... Ouais, c'est ça. Oh la vache, il y a des trucs, faudrait que je révise en hiver, moi. Lingot de cuivre, bois. Ah oui, il me dit que j'en ai trois. Ouais, ils sont où, mes trois? Lingot de cuivre. Je vais prendre ouais tout quoi sera fini machin. Oui, le raisin je vais le ranger dans le coffre de la saison automne. Ouais, on entend les oiseaux, les corbeaux là. Point point point. Oui Zeus, on t'entend Zeus, je sais que tu es là. Garde la maison, Zeus.
Bon, allez, je vais filer voir le forgeron parce que il va fermer trop tôt et. Il va fermer boutique, je vais me faire avoir. Putain, j'adore, j'ai un sapin qui va pousser en beau milieu du chemin en plein hiver. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Tiens, tiens, tiens. Elle, elle aime bien la bouffe, la poupée Barbie. Tiens, cadeau. Cri de surprise. Ah ah. C'est pour moi. Merci. Oh là là, elle est terrible, elle. Alors. Bon Dieu, mon Dieu. C'est bien. Les personnages sont bien choisis dans Stardew Valley. Ils sont tous atypiques. Tiens. Oh bah tiens, il est devant une... C'est le sportif, Alex. Quoi de neuf? Oh, plein de choses. Ton nom, c'est Samaloka. Ou quelque chose comme ça. Samantha, pas Samaloka. Non, ça va pas, non. Tiens, mange ça. C'est trop cool, merci. Mais oui, beau gosse, allez-y. T'apprendras à pas à retenir les prénoms convenablement. Samaloka, l'autre, n'importe quoi. Alors, améliorer les outils. Je veux une pioche d'acier. Ouais, merci, je commence dès que possible, ça devrait être prêt dans quelques jours, j'espère. Parce que là, je peux plus aller à la mine. C'est là où il va me dire qu'il n'y a que 10 jours de pluie, je vais faire la gueule. Ouais, puis je fouille tes poubelles. C'est vrai en plus. Attends, lui aussi, il a dit... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait fouillage de poubelles. Fouillage de poubelles. Oh, c'est nul. Ah, oui, que je garde la houe en main. Parce qu'il y avait des vers qui se... Oh, salut, toi. En fait, il y a beaucoup de nourriture à l'état sauvage dans le coin, si tu sais où chercher. C'est vrai, t'as raison. Je mange de la salade fraîche presque tous les jours. Eh, tiens, goûte-moi ça, ma grande. Tu m'en diras des nouvelles. C'est un très beau cadeau, merci. Tu m'étonnes. Tu vas te régaler, ma grande. Alors, salade de champignons, ça va lui changer. Eh, on va aller sur la plage, rapidement. Faire la récolte des produits de la mer. Tiens, je me demande si... Oh oui, en hiver, la mer doit rejeter des trucs sur la plage. Bonjour, Fanfan. Je pense qu'il y a... Il doit y avoir... Là, il y a les coraux, normalement. Les jolis coraux. Oh là 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 là, il y a même des oursins. C'est plutôt rare, les oursins, dans Stardew Valley. Merde, j'aurais dû prendre mes paniers à crabes. J'aurais pu... Ah merde, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Hello YouTube, n'importe quoi, mon dieu. Oh, Fun, t'es terrible. Bon, visiblement, j'en conclue que t'as la forme, c'est bien. Ah, comment que ça va, Evelyne? Je vais faire des cookies aujourd'hui, ils sont en forme de petites citrouilles. Ah, c'est rigolo, tiens, c'est une bonne idée. J'aime bien. Je dis, je gâte peut-être un peu trop les garçons. Ils n'ont jamais eu à faire de tâches ménagères. Ah. Question d'éducation. Je veux qu'ils puissent profiter de leur enfant. Message de Fanfan, 1992. Tabar est resté bloqué à 9H44. Ah, merci pour l'info. Ah merde, c'est parce qu'elle est pas au premier plan. J'espère que c'est reparti, là. Ouais, merci. J'ai bêtement zappé mon... Ah, ça m'a manqué qu'il est pour les clips. C'est dommage. Parce que j'ai besoin du repère de l'heure pour les clips, moi. Je gagne du temps. Merde, il me dit que je veux un truc... Non. Non, je veux pas du truc. Ah, j'ai pas le temps de lire. Oh là 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 là. J'espère qu'il va pas devenir paresseux. Je n'aimerais pas ça. Merde, j'ai cliqué maladroitement. J'ai zappé du dialogue. Eh ben, je me le lirai au ralenti, na. Tiens, allez-y avec tes problèmes d'éducation. Merci, ça me donne le sourire pour toute la journée. Eh ben, j'en suis ravi, ma chère Jolie. Bon, miam à toi. Parce que même moi, je bouffe pas mes propres plats. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que je prends pas le temps de les savourer. Autant que je les donne. Ah, elle fait quoi, elle? J'ai tellement envie de faire du shopping, soupir. Oh là là, mais elle est terrible, elle. Elle est terrible. Papa, papa, la papa.
Ah là 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 là. Oh, un écureuil. Burp. Il allait chez Planqué. J'ai plein de... Merde, comment ça mon inventaire est plein? Waouh! La récolte en bord de mer a été énorme. Faut que je vide mes poches avant de revenir ici, c'est fou. C'est fou, c'est fou. La mer a été généreuse. Ça va sentir le petit coraya dans toute la ferme. Ah. Ouh, vous didou. Ah la 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 la. Ta 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 ta. Ah la 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 la. Excusez-moi. J'ai fait les champignons tout à l'heure ou pas? Ça y est, j'ai le doute de la du cycle de la journée. Ouais, non, c'est bon, ça a été respecté. Oui, du coup, le coffre de... C'est sympa, mais je vais le mettre... Ah bah tiens, je vais peut-être faire une zone arbre fruitier. Tiens, c'est pas con. C'est pas con. Ouais, je mets le coffre devant l'hôtel du grand-père, là, puis... Hôtel de grand-père. Au-dessus de ma propriété, il n'y a rien à récolter. Oh la vache, il y a encore des sapins à abattre. On va faire du bois, du bois, du bois et du bois. Hey, y a des champignons, il y a des noisettes. La nature est généreuse dans Stardew Valley. Attends, vas-y voir que j'aille voir du côté de la... Du sauna, là, du, de la piscine municipale. Il n'y a pas des merdouilles au sol? Ouais, tu me diras, là, il y a trop d'activité humaine, je pense. Oh, mais... Ah, oh là là, c'est pas entretenu. Bah, qu'est-ce que tu fous, là? Tu es... T'es bizarre, toi. Ma chambre pourrait être un peu moins déprimante si j'avais une fenêtre. Alors ça, il faut commander à Robin, là. Oh mon Dieu, il est en dépression. Il fait peur, il est au bord de la voie ferrée, là. Il attend qu'un train passe et cuit, ou... Bah alors, pauvre Sébastien... Attends, je vais lui donner aussi un de mes plats. Donc, les trois verres qui se battent en duel. Ah, génial, ils m'ont donné de l'argile. Allez, l'autre beau gosse, là, le ténébreux. Merci, ça me plaît beaucoup. Eh bah, tu vois. C'est quoi, ce? Ah bah, même le jeu, il sait pas. C'est un mystère absolu. Non, 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 non. Non, j'ai pas besoin, là j'ai encore pas mal d'énergie. Non mais y a rien en fait. J'ai eu une fausse bonne idée en allant là. Ah, là il y a trois vers qui se battent en duel. Non, c'est pas intéressant d'aller à la piscine en fait. Bon, j'ai eu le plaisir de croiser le Sébastien, mais... Non, y a rien à récolter. Alors... C'était une fausse bonne idée. Allez, on rentre à la maison. Peut-être couper les arbres là, ouais, c'est pas con. Ah, j'avais dit que je me ferais un seigneur pour un comment ça s'appelle, un chêne, il faut que je trouve. Ouais, non, ça c'est une pousse de... attends, est-ce que je peux le faire là le... Bah oui, j'ai les outils sur moi. Je peux le faire, normalement. Voilà. Tiens, je peux même faire des arroseurs, disons. Ah, ouais. Ouais, il faut que j'essaie d'en faire à mort en hiver, des arroseurs. Seigneur... Tac, tac, tac. Allez, j'en fais 3, je suis fou. Je suis fou, mais je vais rentabiliser. Ça, c'est quoi? C'est un érable ou c'est un chêne? Bon, allez, merdoum.
Il est au bord du chemin, il est bien placé. Je vais le garder, il donnera des trucs. Ça aussi, c'est un hop. Lui aussi, ça doit être en éteint, je sais pas. Oh ! J'ai gagné une noisette en secouant l'arbre. C'est pas mal. Attends, il me dit que j'ai... Ah ! Mais non, je vais pas manger une noisette. J'ai peu de place dans l'inventaire, merde. Bon bah alors, je vais manger la mûre, allez, exceptionnellement. Ça m'évitera de faire un aller-retour. Tac, 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 tac. Bah merde alors. Ah, c'est peut-être lui qui donne rien en fait. C'est peut-être pas un arbre compatible. J'ai peut-être... Non, non, ça donne du pain par défaut. L'essence de pain. J'ai... Comment dire, je suis perdu. Le jeu m'a perdu là, je sais plus. Ouais, hop, essence de pain. Bah, sirop d'érable, ça... Oh, la vache! Ah ouais, ça donne de l'énergie. Bonjour, la cirrhose derrière ça. J'ai peur, les mêles. Tac, 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 tac. Tac. Les prunes sauvages. Le sirop d'érable va aller dans le frigo. Je l'ai pas mis là par hasard. Non, oui, non, non, c'est logique, c'est bien, ça ira dans le frigo. Ouais, ouais, faire pousser chêne. Je vais peut-être en faire pousser au-dessus de ma propriété. Ce serait peut-être malin de ma part de faire ça. Et là, si je refais rapidement un énième seigneur, bon, je sais que c'est pas perdu. Puis c'est pas comme si c'était du cuivre qui est le minerai le plus courant. Donc je peux y aller à tour de bras. Vas-y voir que je t'en mette un là. Voilà. Je vais faire saigner tous les arbres. Je vais carburer à toutes les... enfin, je pense qu'il y a un truc malin à faire comme ça. À bien gérer. Je rigole, mais il y a un intérêt stratégique. Là aussi, il faut rien négliger dans Stardew Valley. Merde, le vinaigre. Mais non, mais je vais pas... Ah, j'ai pas rangé mes lingots. J'ai pas rangé mes lingus. Oh là là. Ah oui, il y a le truc de la mer. Ouais. Les poils de mer séchés. Attends, je ressors rapidement pour faire du rangement. Ah oui, c'est bizarre. Pourquoi je me fais pas agresser par les créatures là en nocturne? Oh, merde, attends, c'est... Oh là là! Il y a un mélange des jarres là, ça va pas. Ah, puis le poisson, je le range dans mon frigo. C'est de la bouffe. Un petit désordre là. Ouais, je vais mettre les minerais et les déchets ici. Ça me semble logique. La pierre, elle va là. Enfin, là, le cristal de terre, là, les deux cristaux de terre, pardon, ils sont par paire. Coffre-tonne, la noisette qualité or, elle va dans le coffre-tonnal. Je vais ranger le poisson dans le coffre de la cuisine qui est réservé au poiscaille. Un jour, ce coffre sera un dégueulis de poisson. J'en aurai tellement que je ferai que des sushis à tour de bras. Je sais que ce jour arrivera, mais ce sera au bout de 120 parties de Stardew Valley. C'est ça qui est beau, c'est que ce jeu est sans fin. Je regarde même pas la météo, je suis fou. I'm the best. Aïe, aïe, aïe. Ah merde, attends, merde, j'ai peut-être loupé une recette de cuisine, hein, je suis débile. Ah non, il n'y avait rien. Et demain, il fera beau, non? Ah merde, la fête des esprits demain. Ah, bon, ça va, c'est le soir. C'est le soir, mais... oui, ça, c'est le courrier du maire qui dit demain, oui, voilà.
Bonjour Samantha, vous avez remarqué qu'il y a comme un frisson dans l'air, ça pourrait simplement être l'approche de l'hiver. Ou c'est peut-être à cause d'un spectre sombre qui vient célébrer avec nous la fête de demain, la fête des esprits. Venez en ville à 22h si vous voulez participer, dit le maire Lewis. La fête des esprits. Alors... Arrosage pour changer. Tiens, pourquoi j'ai un... Pourquoi il m'indique clairement mon énergie avec des valeurs? J'ai déclenché un truc dans l'interface, je sais pas comment. Bah merde alors. La barre était suffisante, j'ai pas besoin de voir la valeur en surimpression. C'est étrange. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, me demandez surtout pas comment j'ai fait. Je serais incapable de vous répondre, c'est un accident. Et là, j'ai activé le mode débugage pour développer le jeu. Toutes les valeurs en mémoire vont nous être crachées à l'écran. On va avoir une matrice mathématique s'afficher sur l'écran. Oh, n'importe quoi. Ça y est, t'es déchaîné, les full fans. Oh mon dieu. Je vais re-remplir l'arrosoir avant. Bon, visiblement, le jeu me fait comprendre que je l'ai bien joué stratégiquement là avec le dépôt de la pioche et le forgeron parce que comme il n'y a pas de jour de pluie, du coup, j'ai pas d'intérêt à aller à la mine. Là, c'est bizarre, mais je vais vous faire un épisode. Je serai allé 0 fois à la mine de la semaine. C'est ça qui est dingue. Mais la mine, je vais beaucoup vous la faire en hiver. Donc, vous allez en bouffer dans les 4 prochains épisodes, puisque ça correspondra aux 4 semaines de l'hiver. Hop là. Voilà. Oh, bien. Ah, des morilles, bien. On va me refaire le plat à l'occasion. Oh, j'allais voir rapidement les grenades. Je sais même plus si je les ai récoltées la veille. Parce qu'il peut contenir jusqu'à 3 fruits. Ah oui, non, je suis allé la veille. Ouais, bon. Faudrait que je pense à y aller dimanche en fait. Ce sera le dernier jour de récolte. Ce qui donnera certainement pas en hiver. Bonjour Aeroster, comment que ça va? Ah là là, j'espère que tu profites un peu de tes congés de fin d'année. Enfin, on va dire de la période. De manière générale. Oh, je vous souhaite de pouvoir vous faire plaisir dans l'assiette. Moi, je me fais plaisir dans l'assiette et dans le verre. Oh, moi, ça va bien, merci. Ah là là. Ah, oh, c'est cool, c'est que du bonheur. Je m'éclate comme un gosse. Je vais pas me plaindre. D'ailleurs, je me dis que j'aurais sûrement plaisir à te faire un relais de chaîne demain. Comme tu fais session de jeu en multi avec Fun Fan demain et Roster. Moi, je diffuserai le matin. Je vais peut-être tenir jusqu'à 14h demain, mon antenne. Et il est possible, il est probable que je te fasse un relais de chaîne, ce serait sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas eu plaisir de te faire le relais de chaîne, comme c'est vrai qu'on diffuse pas aux mêmes heures. Ah, Elden Ring! Oh, quelle info énorme! Tu es libéré de ce poids!
En fait, tu t'es fait deux Doel, avoue-le, en finissant Elden Ring. Deux fois plus de plaisir et de cadeaux à se faire soi-même. Eh ben, dis donc. Bon, bah, c'est bien, GG, bravo à toi. Oui, c'est vrai que t'as un dernier boss à te coltiner, là, je sais plus quoi. Au moins, c'est fait, c'est pesé, emballé, et au moins, t'es. Voilà. T'as ça sur ton CV de joueur, comme j'aime bien le dire. Bah, c'est bien, c'est cool. Ça y est, du coup, ton histoire d'Elden Ring m'a guaqué. Je sais plus ce que je dois faire dans ma journée de Stardew Valley. J'ai arrosé les plantes, j'ai récolté les champignons, j'ai récolté les arbres fruitiers. La pioche, elle est optimisée chez le forgeron. Je crois que j'ai quartier libre. Si je dis pas de bêtises... Attends, je vais aller en cuisine me faire des plats. En plus, symboliquement, il y a quasiment midi dans le jeu. Ah, chez le frigo, je voulais accéder à ranger les morilles fraîches du matin. Alors, Nadjad dit, il va le refaire en mode de difficulté max dès ce soir et sans armure anti. Il est bête. Ah là là. Madie. Ah, oh merde. Je suis même limité par l'huile. J'ai plus d'huile. C'est scandaleux. Je vais aller racheter de l'huile chez Pierre. Waouh! En même temps, j'irai voir des gens du village. Comment ça, j'ai plus d'huile? Je fonce à la supérette. Aïe, bougez-vous de là. C'est Samantha qui débarque. Chez le boxeur, chez le bordel. Et là, pan, elle défonce la double porte à coup de pied. Oh! La miss. Est-ce que je te verrai demain à la fête des esprits? Retrouve-moi dans le labyrinthe hanté. Oh mon dieu! Tiens, mange ça. T'es une gloutonne. Ah bah, je savais. Et comment t'avais su que j'avais faim? Ça a l'air délicieux. Je te connais que trop bien, t'es une gloutonne. Tiens aussi, tu mets ton plat. C'est très gentil de ta part, ça me plaît. Eh ben, j'en suis ravi, Pierre. Bon, t'as de l'huile, mon grand? Faut que je t'achète de l'huile. Oh là, mon dieu. Ah, tiens, du sucre. Pâtisserie bonbon. Ah, je vais peut-être lui prendre un petit peu de sucre. Allez, 10 de sucre. Farine de blé, ingrédients de... Oui, bah, je vais prendre un peu de blé aussi pour la cuisine. Attends, j'arrive pas à voir combien j'en ai pris. J'en ai pris 7, 8, 9, 10. Allez. Le riz aussi. Oh, je vais pas tout acheter. Bref, c'est l'huile qui me manque et puis ça coûte cher. Oh, ma thune est en train d'y passer. Tiens, le médecin. Tu es sûr que c'est bon pour la santé? Mais oui, Hervé. Oh, l'autre. Non, mais il est terrible, lui. Il est terrible, ce médecin du village. Oh, comment ça va, monsieur le maire? J'espère que les choses vont bien pour vous à la ferme. Ouais, c'est pas mal. Tiens, toi aussi, t'as un glouton. Mange ça. Merci, c'est génial. Et ben voilà, tout le monde est heureux. Allez, zou. Oh, Waneda! Bonjour, Waneda! J'espère que tu vas bien. Passe de belles fêtes. Bonjour à Miyuki. Mizu, pardon. Merde, je sais plus. Pardon, excuse-moi. Parce que de bosser avec des Japonais, du coup, ça m'a fait bugger. Mais profitez, les filles. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ah là 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 là. N'importe quoi, moi. Du coup... Ah oui, il faut que je range mes... Mes nouveaux ingrédients dans le frigo de la cuisine. Sucre. Farine de blé et huile. Nickel, comme un chef. Ouais, trop bien. Oh, je me dis que la pêche, ce sera en hiver. Ah, si je me faisais mentir. Ah, j'avais dit que je voulais planter des chênes en haut de ma propriété. Minute, il y a un intérêt stratégique à le faire. Ouais, les glands, je vais garder. Merde. Je peux pas en ranger là? Si, allez, j'en range deux. Et j'essaie de planter 5 chênes. Juste au-dessus de chez moi, ça va me rassurer. Ça va, et toi? Merci. Ouais, moi ça va bien, merci.
Oui, moi ça va bien. Merci tout plein. Tac, 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 tac. Ouais, si avec ça j'ai pas... Hop là. Eh ben, nickel. Donc, j'ai fait les champignons. Le chien, il est tout gentil. Ah bah, il a déjà eu son câlin, il fait plus le petit cœur. Tac, tac, tac. Je vais peut-être couper ces arbres. Parce que là, 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 ça devient trop boisé à mon goût, là. En plus, il y a déjà des rejets qui vont prendre pour les saisons suivantes. Peut-être arrêter la déconnade avec les sapins, là. Je vais me retrouver dans une forêt vosgienne, à force. Merde! Ah, j'ai dégommé le... Merde, le seigneur du... Encore que... ce serait peut-être pas con que je le mette... Bah, peut-être là. Ouais, je vais peut-être pas y toucher. Bonne idée. J'ai développé des anticorps. Ouais, bah oui. Ah, ah oui! Pour survivre à mes blagues, j'ai développé des anticorps, les bonnes. Excellent. Excellent. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, je veux bien remettre du sapin, là, par exemple. Ce sera le long de la ruine, là. On me demande ce que ça va devenir, la ruine. Pop, 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 pop. Oh, 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 c'est bien, c'est bien. Allez, je vais me tenter un peu au jeu de la pêche. Je vais aller ranger les graines de pin. Lui, je vais pas spécialement l'aimer. Il est mal placé. Ah, en plus, c'est un gland. Mais il est dans ma voie de circulation, donc... je préfère le mettre, voilà, le mettre en bas, là. Voilà. Il me dérangera beaucoup moins. Voilà. Oui, alors canne à pêche, canne à pêche, canne à pêche. Oh, j'ai presque 1000 de goudron de je sais pas quoi là. De sève. Oh. Faudra que je fasse plein de trucs à base de sève, j'en ai beaucoup trop. De l'avantage d'être dans une ferme. Planté dans une zone forestière. Ça a vraiment ses avantages. Canne à pêche, elles sont là mes cannes à pêche. Alors j'ai des appâts aussi. Alors l'apprenti en bambou. Alors casier à crabe, placez-le dans l'eau, remplissez-le d'appâts et vérifiez le lendemain si vous avez trouvé quelque chose. Fonctionne dans les cours d'eau, les lacs et la mer. Ah, ça peut pas fonctionner. Ah, les lacs. Les lacs, est-ce que ça compte pour ma propriété? On va faire le test. Comme j'ai des étendues d'eau dans ma propriété. On va faire vraiment le test, c'est intéressant. Ouais. Et je mets le... Mais non, mais... Ah. On va voir, tiens. Si je peux le faire chez moi, ça m'arrangerait. On va essayer. Ça, c'est considéré comme un lac, c'est quoi ? Allez hop, je suis fou, je mets les deux. A voir. Merdoum. Ah merde, j'ai pas de quoi faire des torches. Ah, il faut la sève d'un arbre. Ouais, parce que là, ça va être dans l'obscurité, mais tant pis. Ah ah ah, il y a des trois vers qui se battent en duel. Ah, de l'argile. Cadeau sympa. Quand la nuit arrive, je... Oh, l'ombre m'a fait flipper. Attendez voir. Non, tu pêches pas sur la terre, malheureuse. Déjà? Oh, déchet. C'est nul. Ça a pas l'air top.
Ah! Oh, je pêche que des merdouilles. C'est un scandale. Bah alors. Ah. Oh, mais c'est d'une tristesse. Mes eaux sont polluées, il n'y a pas de vie dedans. Pas un poisson? Ah non, j'ai pas un poisson, j'ai que des merdes. En fait, c'est un cloque que j'ai au milieu de chez moi. Ah! Un slime. Oh, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, hein. Ça bastonne. Ça bastonne. Non, mince, oui, c'est un produit... bref. Ah oui, non, mais là, c'est la tristesse, là. J'ai ramassé que des merdouilles. Eh ben, dis donc. Bon, bah, la pêche, c'est pas à faire chez moi, hein, visiblement. Je pense que les paniers à crabes vont rien me donner. Aïe. Cher ami, la. Donc, oui, il va y avoir la fête de trucs mûches. La fête des esprits. Donc c'est en soirée. Donc c'est bien, je peux faire ma journée normale. Ça me va. Je sens qu'il va y avoir encore un stand de vente avec des objets uniques et je vais être dégoûté de me dire merde, je veux dépenser mon fric et ils vont me ruiner à l'entrée de l'hiver. Oh vache. Est-ce que j'ai tout arrosé là? Bien! J'ai les. Ah si, ça m'a donné un truc. Un bigorneau! Excellent! Mon dieu! J'aime bien. L'idée me fait rigoler. Aïe, je récolte des bigorneaux chez moi. Tout va bien. Ah, il va falloir que je fasse une tonne d'imperméabilisant pour la prochaine année. Il faut que je double ma surface de cultivation, là. De culture. Je sais pas si ça se dit en français, cultivation, je crois pas. Ah, j'ai encore du raisin. Ouais, en hiver, il va falloir que j'optimise mes productions spéciales. Production de confiture, machin. Je vais peut-être me faire plusieurs tonneaux, plusieurs... Il y a un truc à faire en hiver. Et aussi m'intéresser à voir, pour ce qui est... avoir des animaux. Que je monte vraiment en grade au niveau de la... Mais Samantha, arrête d'arroser la terre sèche. Où il n'y a pas de végétaux, bout du diou. Attends. Je vais arroser là. Chibididé. Quoi? Ah, j'ai eu peur, je me disais, mais il me mettait la case rouge, je peux plus reposer mon épouvantail. J'ai dit, mais il est fou. C'est impossible. Il était là avant. Oh, le bigorneau me fait délirer.
Mon premier bigono. Un escargot d'eau douce minuscule qui vit dans une coquille bleue. Ibi. Ah merde, oui, il faudra que j'arrange mon matériel de pêche. Je m'en suis pas déséquipé. Ça me libère de cases quand même. C'est pas négligeable. Attendez, les confitures, j'avais dit que j'avais un coffre. Ah oui, c'était celui-là. Ouais, ouais, celui-là, c'est le coffre des confitures. Eh ben, je vais faire une confiture à la pomme sauvage. Allez hop, ça, c'est un produit de la mer. Ça n'a rien à faire là. Oh là, il y a même des déchets. Merde, non, c'est pas produit de la mer. Oh là là, oh là là, je suis en confusion totale. Ah bah, ça, c'est produit de la mer. Tiens. Donc, je suis là. Ça, c'est un déchet. Ah, mais c'est un poisson. Ah, oh, faut que je le mette dans ma cuisine. Faut que je le mette dans ma cuisine. Ouais, il y a les prunes sauvages. Oh là 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 là. Les murs, c'est l'automne. Ça n'a rien à faire là. Waouh, mais comment j'ai rangé mon truc? C'est n'importe nawak. J'ai pas de pierre spéciale. Non, j'ai des déchets. Alors, attendez. Prune, je vais en faire de la confiture. Allez hop. Mon cerveau me dit d'aller dans le coffre automne. Automne, il y a tout ça. Oursin, machin. Pardon, je vais vous lire dans le chat. Je vois que ça bouge du coin de l'œil. Mais je suis en train de faire des bêtises. J'essaye de faire mon tri. Le reste, c'est des déchets. Et le poisson est à ranger dans le coffre de la cuisine. Que je puisse le cuisiner. S'il vous plaît. Ange de lumière, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, j'espère que tu vas bien. Que tu profites toi aussi des fêtes de ton côté. Le poisson va dans le coffre de la cuisine. Je vais le cuisiner un jour, ce poisson. Je ne désespère pas. Alors attends, il est 11h, j'ai arrosé les plantes. Ah, j'ai pas fait les champis. J'ai pas fait la grotte aux champignons mignons. Il faut que j'y aille de ce pas. Ah, mes favoris, les communs. Je vais en avoir besoin. Pour le minage hivernal. Oh, bordel! Oh! Oh, merde! Les paniers à craft vont récolter de la merde. Oh non, deg! J'ai du papier journal. Mes os sont dégueulasses. En fait, j'ai des os putrides. Oh, ma propriété! C'est horrible! C'est horrible. Parce que l'eau est stagnante, je pense. Et là, plus tard, je vais découvrir une machine à filtrer l'eau que Samantha va assembler elle-même. Parce qu'elle est trop forte. La miss à la ferme. Elle est trop forte. Alors. Champignons, le journal déchets. J'aimerais bien voir Cycleur comme dans Raft. Les déchets, t'en fais des matières nobles après du bois ou je sais pas quoi, ou de la pâte à papier. Attends, j'ai pas ça, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ouais, bizarre. En même temps, je crois que j'ai pas tout développé. Tiens d'ailleurs, je suis à quel niveau en compétences? Eh hey, oh! Agriculture, je suis presque à donf. Je suis presque à 10. Cueillette, je suis à 6. La mine, je suis à 4. 2 pour la pêche et 3 au combat. Waouh! La statue de cultivateur. C'est intéressant. C'est intéressant. Bûcheronnage. Bûcheronnage à faire parce qu'il y a tellement d'arbres. Là, ça va pousser.
Ouais, là je commence à avoir trop d'arbres, là, c'est la folie. Ça va, tranquille, je préfère la viande, le poisson, non merci. Ouah, chacun son truc. Chacun son truc. Une des premières japonaises que j'ai connues, qui se prénommait Sayaka, j'étais encore étudiant en informatique. Elle me faisait rire, ça me semblait contradictoire, mais bon, il faut tout hein, pour faire un monde, des goûts, des couleurs. Ah oui, donc je déboîte les arbres. Sayaka, elle aimait pas le poisson. C'est sur le coup, j'ai cru une erreur de traduction. J'ai pas cru. J'ai quoi? Une nipote qui aime pas le poisson? Mais non. Je dis, c'est bête. Elle a beau être symboliquement du peuple de la mer. On désigne parfois poétiquement les Japonais. Eh ben non, elle aime pas le poisson. Érable. Oui, c'est surtout les chênes que je veux. Les arbres, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal et ils vont pousser, donc je me fais pas trop. Ah oui, là, il va y avoir des tonnes d'érables. Regardez-moi tous les rejets d'érables. Au printemps prochain, ça va être un bois ici. Ah là. Bon, là, c'est une fourrasse, mais... It's a boat. It's a bateau. Ah, mon Dieu. Ça nourrit bien le... Non, je veux pas manger des trucs d'exception. Allez, hop, champignons communs, deux pages de champignons, il faut de l'énergie pour bûcheronner. Allez, où? On continue. Encore que les arbres sur le côté, au niveau de la falaise, je dis pas. Je veux bien les laisser, ils sont stylés. Mmh. Ouais, lui il a plein de rejetons de... Mais que vais-je faire de tout ce bois? Faut que je fasse des palissades, des chemins en bois. Tiens, c'est pas con. Ça changerait. Encore que non, j'ai tellement de pierre aussi. Autant faire les chemins en pierre et les palissades en bois. Ce serait logique, conventionnel, on va dire. Bon, les trois vers qui se battent en duel, je vais m'en occuper à mon tour. Bah tiens. Tant qu'ils sont à portée, allez, pan de l'argile, et bah ça fait plaisir. Le cadeau est apprécié. Champignons, sauce crème, lardon, oignon, perle de Provence, sel, poivre. Ah, je lumière, t'as fini, oui. Ça donne faim. Ah, miam. Ouais, je laisse les sapins sur le côté. Ça me plaît bien. Ah, quand j'aurai ma nouvelle pioche, je vais pouvoir peut-être péter le météore de mes deux là. Et découvrir ce qu'il y a dedans. C'est marrant, tiens, mon cours d'eau, on dirait qu'il y a des trésors au fond. Non, c'est peut-être des rochers classiques. Presque comme des pépites. Non, mais oh là là, le bois que j'ai en bas de chez moi. Non, mais regardez-moi ça. On se croirait dans les Vosges. Oh, il y a Dragon Sky qui est passé tout à l'heure là en début de matinée, qui m'a parlé de pâte à carbonara. Il m'a donné envie d'en faire, sauf que manque de bol, j'ai pas les ingrédients. Quoique ça pourrait s'arranger, mais je passerai à la supérette que demain, moi. Vie réelle. Alors, aujourd'hui je bouge pas, je fais que du Twitch, je suis peinard, j'ai mon miam. Ah oui, j'ai mes pommes de terre aussi à faire cuire. Je me suis cuisiné 3... Enfin, cuisiné. Je me suis épluché hier 3 kilos de pommes de terre. J'ai fait ça sur le direct de Fun Fan. C'était rigolo. Comme ambiance. Mais il faut que je les cuise, mes 3 kilos de pommes de terre pour faire ma salade de hareng pommes de terre. Miam. Miam. Oh, je vais peut-être me faire du poulet à midi. Parce que je me dis que j'ai des restes de Noël.
Pardon, je suis en train de penser en, à de vive voix à mon miam. Et je savourerai ma salade de hareng que ce soir. Et puis c'est bien, finir sur une salade. Non, miam, miam. La journée est trop bon. Ouais, je crois que je vais me faire ça. Je vais me faire poulet avec je sais pas quoi de reste. Ah! Ah! L'agression de la chauve-souris de la moelleté. Enfin, surtout de la noche. Chauve-souris, c'est la nuit. Arthur, c'est la nuit. Oh mon dieu, j'ai trop de bois. J'ai trop de bois, c'est affolant. Oh là là, je suis arrivé à 1000 de bois. Papa, 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 la. Chibidi, chibidi, bidou. Oh la vache, le sapin il a déjà poussé. Mais là où il est bien, il est beau. Là où il est bien, il est beau. Waouh, j'ai 1000 de sève. Oh, faut que je regarde tout ce qu'on fait à base de sève dans le jeu là. Je vais faire des giga productions. Je n'ai que ça. Sérieux, attendez, regardons. Artisanat, il y a quoi à base de sève? Il y a les torches. Bon, les torches, ça va pas loin. Il y a quoi? Produits chimiques, peut-être. Non. Ah, la sève pour l'engrais de qualité. Avec un poisson. Ouais. Oh, les mélanges. Ah, c'est l'engrais de base, la sève. D'accord. Et l'engrais de qualité, c'est avec du poisson mélangé. Oh, écoute, c'est le jeu qui veut ça. C'est... Pardon, je remets ma flanelle sur moi. Ah là 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 là. Ah oui! Alors, les palissades en bois, ça se fait? Bah oui, ça, c'est pas une palissade. Ah, c'est un portail, c'est pas pareil. Clôture en bois dur. Ah non, je veux en bois classique, moi. Ah bah voilà, clôture en bois. Merci. Ah, garde l'herbe et les animaux confinés. Ah! J'ai intérêt à bien structurer cet hiver mon terrain. Je vais faire un quadrillage à l'américaine, là, avec des parcelles bien clac-clac-clac définies. Ouh, il y a quelque chose à faire. Ça me plaît. Ce jeu me plaît. Il est plein de bon sens. Merde, c'est le festival de mes deux. J'avais oublié, là. Ouh là là! C'était quoi déjà? Je sais plus. Merde. Ah! Ça se passe où? Je vais aller au village. Tu gardes les... Ouais, youfiné, ouais. Les animaux youfiné. Oh mon dieu. D'aujourd'hui, on prépare... Ah merde, c'est encore plus tard. Vraiment? Oh, c'est à 22h. Attends, j'ai plus d'énergie, moi. Je vais manger un champignon mignon. Ah! Il y a de la récolte nocturne à faire dans le patelin. Et là, elle chante. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup n'était, il me boufferait. Ah! Oh, encore 20 minutes à attendre. Le tableau mystère, on y rejouera au 1er janvier. Je casse mes habitudes parce que c'est les fêtes de fin d'année. Ah! Oh! C'est beau l'éclairage. Bon, Youl! Oh, bah, c'est la première fois que je vois Jas larmoyante. Généralement, c'est son frère. Mes tantes Marnie, je vais aller dans le labyrinthe, je n'ai pas peur. Ah! Salut Samantha, as-tu un octone fructueux? Oui. Attends, Marnie est la tante de... Alors attends, j'essaie de faire les liens familiaux. C'est là où je me rends compte que c'est des consanguins dans le village. Ah, l'horreur! Oh la vache! Mon dieu. J'ai mis une théorie horrible tout à l'heure en direct. Mais... Parce que j'ai l'impression que le jeu le permet. Ouais, non mais ça fait peur. Non, pour redire ma théorie à Stardew Valley... J'ai vu que dans la mairie, il y avait un hôtel des divorces. Donc après mariage. Ce qui veut dire que tu pourrais te marier et divorcer. Je sais pas si c'est un nombre de fois illimité. Mais
S'il y a la gestion de la gestation, c'est-à-dire le fait de faire des enfants, tu pourrais faire des enfants avec ton perso, avec tous les membres de sexe opposé, et peut-être même avec de même sexe que toi s'il y a une notion d'adoption, va savoir. Mais bon, bah voilà quoi. Le jeu me rend fou. Alors, ah, oh, elle en fait une tête, la poupée Barbie. Ah, j'ai trop peur. Ah, le magasin. Alors, épouvantail de collection. Ah oui, chaque événement, il y a un épouvantail acheté hors de prix. Ça, c'est à la fin du jeu. Oh. Oh, 750, 5 lanternes citrouilles. Oh, et ça peut être pas mal dans la grotte. Ah ouais, je veux bien. Ah non, c'est à l'unité. Je croyais que c'était les 5 à... J'ai cru. La recette. Ah merde, j'aurais peut-être dû acheter la recette. Putain, ça fait 2000. Si, je peux vendre des trucs. Ouais, je peux vendre des... une pierre d'ombale. Drôle d'objet. Un tapis branché. Alors, autant j'aime bien le mauve, autant le tapis là, le motif, on dirait un paillasson géant. Ça, je suis pas chaud. Ne t'approche pas trop près de la cage, dit Marlon. Oh ! Tu m'étonnes. Oh la vache, les squelettes. Sébastien dit, je ne comprends pas comment ces squelettes sont capables de marcher, c'est effrayant. Eh oui, c'est effrayant. Et ça, c'est à mon avis ce qui m'attend au fond de la mine. Alors, Clean dit, une de mes massues en iridium ferait parfaitement l'affaire pour ça. Un jour, je t'en achèterai, mon gars. Alors, Shane. Putain, je le vois jamais, Shane. Il crèche où? Ah, il a un manteau complètement bousillé de jojoba. Pourquoi il n'y a plus de bière à la citrouille? Ah, c'est une bonne question. Déjà que j'ai dit que vie réelle, la bière au cactus n'existe plus. Avant, j'avais le plaisir de siroter une bière au cactus l'été quand j'avais la vingtaine. Et la marque a, et la recette a disparu. C'était australien, c'était vachement bon la bière au cactus. Eh bien, l'hiver arrive bientôt, c'est le moment de stocker du bois et des pierres. Ah oui, ma pauvre Robin. Mais il faudra que je vienne te voir, Robin. Durant l'hiver. Je n'ai pas vu Malo depuis des heures, j'espère qu'elle va bien. Bah, elle est partie s'éclater au festival, ta fille. Alors, ah, Gus, le cuistot du bar. C'est très amusant de cuisiner de la citrouille, c'est un fruit très intéressant. Je te crois. Alors, Elliot, le prince à Chocobéenne. Bien le bonjour, Samantha, il fait un peu froid, n'est-ce pas? Oui, bah oui. C'est l'hiver qui arrive. Ah, Pam, je viendrai à n'importe quel événement qui sert de la nourriture gratos. Cependant, tu ne vas pas aller dans le labyrinthe hanté. Mais il faut que je fasse le labyrinthe. Ah, monsieur le maire. Bonsoir Samantha, vous avez déjà aventuré dans le labyrinthe hanté? C'est assez effrayant. Non, attends, je vais le faire. Oh les gamins, il est larmoyant. Maman veut pas que j'aille dans le labyrinthe. Ouais, visiblement, il est tellement flippant que c'est réservé aux adultes. Ah là là. Léa dit, salut, désolé, j'ai la bouche pleine de mûres. Ok. Ah, faut que je retienne qu'elle aime la mûre, Léa. Elle aime bien ça. Caroline, parce qu'il faut retenir les goûts et les dégoûts de chacun. C'est pas évident. Je préfère... Quoi? Je prends facilement peur, dit Caroline. Je préfère laisser la place aux jeunes dans la mer intentée. Bah non, visiblement, c'est réservé aux adultes. Elle est marrante, Caro. Bah, Abigail doit y être. Elle aime bien les trucs Halloween et les jeux. Alors, Emily dit, est-ce que tu aimes les lanternes citrouilles? Je les ai sculptées moi-même. Ah, cool! Elle est artiste, la miss. Alors là, j'y salue tout le monde. J'ai salué... bah oui, il m'a dit t'approches pas de la cage. Donc ça se passe en haut, visiblement. Wow! Ah, Malou! Je pense que je suis déjà passé par là. Non, attends. Elle est complètement larguée. Attends, je vais prendre la... Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il boude? Harvey. Oh, la tête! Oh, tu m'as trouvé! En vérité, je suis terrifié, alors je suis venu me cacher. Ne le dis à personne. attends, je vais essayer de mémoriser mon truc. Ah non, ça se récolte pas. Non, là j'ai fait un tour sur moi-même. Donc tout se passe par là. Voilà ça. Oh! Waouh! Eh! Alors ça me fait penser trop bien. Les mains qui bougent depuis le sol. Pause. Le Senseiya, les chevaliers du Zodiac. Le chevalier d'or de la Vierge, Shaka.
il fait une illusion comme ça, des morts pour effrayer ses adversaires. Les morts vivants qui sortent du sol, ça me fait penser directement à la scène là. Enfin, pour ceux qui aiment les chevaliers du Zodiac. Penny, les vapeurs de ce chaudron me font tourner la tête, mais je n'arrive pas à partir. C'est quoi ça? Ah, c'est que de la déco, tu peux pas rentrer dans la maisonnette? Bizarre. Stardew Valley a bien des mystères. Alors, le téléviseur. Avec de la neige dessus. Il y a des images subliminales ou... Oui, j'ai l'impression. On dirait un gros monstre. On dirait un gros monstre qui apparaît de temps en temps. N'importe quoi. Alors, là, c'est le sportif. Il y a quelque chose d'étrange là-bas, mais comment peut-on y aller? Ah, le truc noir. Ah oui, il y a un coffre à récompense. Comme si j'étais au fond de la mine. Ah, ma copine. Abigail, je peux pas continuer les araignées. Ah, elle est arachnophobe. Elle est arachnophobe. Tiens, tiens. Oh, vache. Ah ouais, elle est belle. Trop bien. Trop, trop bien. Bon, bah, on continue. Oh, c'est quoi ce parc? Ah, mais c'est le parc de jeux des enfants. Non, ils ont retiré la balançoire et tout le bordel. D'ailleurs, il est où le centre communautaire? Il doit être proche, le centre communautaire. Ah, oh, il y a une porte derrière. Alors, Sam dit, c'est étrange, il y a une impasse plus loin. Là? Non, 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 c'est bien du dur. Je me méfie des illusions. Attends, il y a une porte, là. Pourquoi je peux pas... Point d'interrogation. Ah! C'est une illusion. C'est un faux mur. Voilà. Ah, il faut aller... Oh là, c'est à l'aveugle. Oh! On les a reconnus. Il y a... Regardez en haut, il y a le sorcier, il y a Linus, tout en haut de l'écran. Ah merde, vous voyez pas avec mon habillage de chaîne, merde. Mais je vous dis, il y a Linus et il y a le sorcier. Ah, bah c'est ça, c'est la récompense. La citrouille dorée. Vous avez reçu une citrouille dorée. Énorme. Un objet collector, ça. Ah bah c'est pas la citrouille dorée qui ouvre la baraque? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Mais la maison communautaire, elle est juste à côté, je pense, non? Oh, ça va, c'est gentillet comme... comme labyrinthe. C'est bien pensé, mais bon. C'est pas... Oui, j'ai déjà le plan du labyrinthe dans ma tête. Alors, attends, la citrouille dorée, j'en fais quelque chose. C'est précieux, mais elle ne sert à rien. Sérieux? Sérieux? D'accord. Ah, le centre communautaire est à côté. Il est à côté. Bon, bah, j'ai tout fait du labyrinthe, moi. Oui, il n'y a plus rien, là. Oui, 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 non, c'est une citrouille de déco. Attends, j'ai pas une récompense. Oh, merci, Arsenos TV. Bonjour, merci, j'espère que tu vas bien, Arsenos. Attends, monsieur le maire, il gère les récompenses, non? Cet homme étrange qui vit dans la tour... Message de Femfa, 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Arsenus TV. Bah, ça va bien, merci. Ouais, ouais, cool. J'espère que tu profites des fêtes comme moi. Moi, j'ai le plaisir d'être en congé, là, et puis de savourer dans l'assiette et dans le verre me faire plaisir. Alors, cet homme étrange qui vit dans la tour a tout organisé, il ne laisse personne s'approcher pendant les préparations. Ah, c'est en partie l'œuvre du sorcier, d'accord. Intéressant. Bon, bah, c'était sympa, moi je me barre. Hein. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue. La vache, il est minuit.
Oui, merci Arsenas. Deux coupures internet. Ah oui, merde. Dur. Bonjour Torota. Ouais, j'espère que tu vas bien toi aussi. Dans l'ensemble, on va bien, merci. Attends, je vais tout de suite mettre ma citrouille lanterne dans la grotte. Oh, ça va être trop stylé. Yeah, trop bien. J'ai ma citrouille lanterne dans la grotte à champignons. Ha ha! Ça pose déjà une ambiance, ça me plaît. Bah tiens, si je mettais la citrouille dorée à l'opposé. Eh, ce serait pas mal. Quoi? Ah oui, non, je comprenais plus. Ah non, je peux pas la poser. Bah. Je peux pas la poser, je comprends pas. Le jeu est bizarre par moment. Ah oui, alors attends, je donne l'eau au chien. Alors attends, je vais faire la récolte du raisin. C'est le dernier jour de l'automne là. Le jour suivant, c'est l'hiver qui se pose. Bah du coup, j'arrose plus. Mais non, mais je suis bête. Je vais pas arroser, les plantes vont crever. Je vais pas arroser. Non, 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 c'est foutu là. Si je récolte pas maintenant, c'est foutu. Bah tiens, j'ai un dernier maïs. Attends, je vais ranger ma citrouille en or parce qu'elle me rend fou là. Je suis bien content d'avoir gagné le gros lot, mais... non, 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 le grenadier. Pardon. Merde, j'ai des mauvaises herbes au niveau de mes plantations, ça c'est pas cool. Même si l'hiver arrive, c'est pas cool. Pour le principe. Ouais, là, il faudra que je fasse un chemin qui trace tout droit. Comme il y a le... Ah oui, oui, oui. Oh, j'ai du boulot pour l'hiver. On pourrait pas croire, mais j'ai du boulot. Gérer la coupe des arbres, poser des chemins, des clôtures, des arrosages automatiques. Il va y avoir du boulot pour l'année suivante en hiver. Elle va pas chômer, Samantha, c'est moi qui vous le dis. Ah, puis peut-être que je ferai la semaine d'hiver demain. Demain matin, je diffuse aussi. Ça pourrait être sympa de faire un peu beaucoup de Stardew Valley pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est sympa. Comme c'est un jeu enchanteur et bienveillant, je trouve que ça s'inscrit bien dans la magie de Noël. La magie de Noël. Hop. Ta 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 ta. Oui, 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 j'abandonne l'arrosage. C'est dommage, on voit que les cranberries allaient donner le jour suivant. Dommage, dommage. Ah bah je vais faire un petit coup de minage du coup. Ah bah non, j'ai plus ma pioche. Merde, il a pas fini de préparer ma pioche, le forgeron, je crois. J'en ai peur. J'en ai peur, mais je vais en profiter pour me promener dans le village. Et puis en pleine nature. Je suis pas allé en pleine nature, il y a peut-être des trucs à récolter. Je suis pas allé en bas du côté de la mer. Je suis allé côté montagne, mais pas en aval. Ah là 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 là. Quoi? The power of flower water is life. Quoi? Pardon, ton anglais est imparfait là. La puissance des fleurs d'eau... Et vie, quoi? Oulala. Oh merde, il m'a vu. Ah merde, il m'a vu en train de faire ses poubelles. Faites de votre mieux à la ferme Samantha, vous devez accomplir des choses dans de nombreux domaines si vous souhaitez devenir un véritable membre de la communauté. Oh l'autre. Allez, t'as rien vu? Mange ce plat. Merci, c'est génial. J'ai traduit le cousin, la puissance des fleurs et l'eau, c'est la vie. Oula, ok. Ah, fallait mettre une ponctuation, fun. De l'intérêt de la ponctuation, tu vois. Sinon, je comprenais plus ta phrase. Alors, Indy. Ah! Intéressant, ma pioche d'acier est prête. Oui, tu peux. Merde, oui, non, c'est pas grave.
Attends. Tiens, d'ailleurs, je vais lui donner un de mes plats. Mange. C'est un cadeau amusant, merci. Amusant, oui, si tu veux. Boutique. Ah oui, il vend du minerai. Oh la vache. Ah. Oh la vache, ça coûte cher. Alors, améliorer les outils. Pioche en or. Ouah, 10 000. 5 lingots d'or. Oh la vache, on peut encore monter en catégorie or. Mais vous êtes des malades. Ah, puis la poubelle, ça doit être pareil. Tu montes jusqu'à la poubelle de d'or et puis elle te donne 50% de la valeur de ce que tu jettes. Je le ferai sur la fin, le coup de la poubelle, parce que je me vois rien jeter. C'est mignon, l'arbre, là, on dirait qu'il est en forme de cœur. Alors. Attendez voir. Ah oui, il y a des défis, là. Un jour, déchets dans l'eau, morceaux de viande d'insectes, 100 morceaux, oh la vache! Non, j'ai pas encore 100 morceaux de viande d'insectes. Alors, la plage a sûrement des choses à offrir. C'est beau! Oh, c'est magnifique! Ah, chez que poésie! Oula, il y a une bourrasque. Il y a les pétales qui s'agitent. J'ai plein de poésie. J'ai la vie. Hop, un corail. Hop, deux coraux. Ah ouais, il faut pas revenir trop souvent. Faut pas revenir trop souvent non plus. La dernière fois, la récolte était folle. La plage était surchargée de cadeaux de la mer. Et ça sort le petit corail. Bon, allez, on va faire la partie long de la rivière. Long de la rivière. Oh, il n'y a personne. Je fouille aux poubelles. Oh, il n'y a rien en plus. Je vais finir par arrêter cette activité, ça rapporte pas. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Ouais, non, c'est l'approche de l'hiver. Ah, le Merlewis, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, bah, je sais pas, il se relaxe au bord de la... Il vérifie l'état de la rivière. Wouah, il y a des frichets là. Il y a un peu trop d'herbe sauvage. Oh 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 oh. Un champignon commun. Ouais. De la bouffe. Oh la vache. Tiens, tiens. On dirait une bouteille de vin et un rouleau de d'essuie-tout. C'est bizarre. C'est bizarre. Je me demande comment on atteint cette zone, si on peut l'atteindre. Non, je crois pas. Attends. Non, bah non, c'est de la falaise. Je peux pas faire le tour. Non, bah la promenade est sympa, mais il y a rien de particulier, visiblement. Là, il y a des... champignons près de l'arbre. Oula, c'est une zone que j'ai pas faite ici, ça me dit rien. Ouais. Là, je vais remonter au-dessus de la rivière, normalement. Oh les jolis oiseaux. Et c'est là où je tombe sur le frog du maire. Là. Ah oui, il y a les égouts dégueulasses qui... Oui, c'est vraiment des eaux dégueulasses. La porte est verrouillée, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bouh. Je fais peur aux oiseaux. Je sais plus. J'ai fait tout en bas. C'est j'ai déjà plus. Oh. Mais oui, mais il y a. Non, c'est la cabane avec le chat et chapeau là. Le chat chapeau.
connaissez la suite, le premier qui dit chapu. Ah là là. Attends. Ah non, c'est pour l'événement de la fête. Le chapi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Qu'est-ce qu'elle fait là, Bigel? Que vais-je faire ce soir? Je pensais à une nouvelle coloration de cheveux. Qu'en dis-tu? Ah! Teint-les en noir, pourquoi pas en blonde? Ah non. Ah non, il n'y a qu'une blonde dans le village chez la poupée Barbie. Oh, rose bonbon. J'aime bien tes cheveux comme ils sont. Bah, teint-les en noir. Je pense que ça lui irait bien. Essaye voir le noir. C'est le bon choix, n'est-ce pas? Ouais. Je pense que les cheveux noirs, ça lui irait bien. Parce que... Ah, oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu lui, tiens. J'observe parfois en secret les villageois de la région. Ce mec est un pervers mateur. Mon dieu. J'espère trouver un apprenti. Un jour, je quitterai le plan des mortels. Mais mes recherches arcaniques doivent continuer. Tiens, je vais te donner ce plat. Oh, les yeux de fou qu'il a! Merci beaucoup, cet objet a des propriétés très intéressantes. Bon, bah tant mieux. Non, je veux rien manger, je veux étudier sa bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que ceux en qui j'ai confiance qu'on doit d'entrer ici. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Viendra un jour. Je sais plus, je lui ai donné son plat, la miss, ou pas? Ah, bah voilà, comment as-tu su que j'avais faim? Ça a l'air délicieux. Et bah voilà, mange ton assiette. J'en ferai à l'occasion en récoltant des morilles. Oh, ça coûte cher la carotte des cavernes, la vache. Soupe de panais. Des panais, ça se... Je peux en faire, moi, des panais. Oh, la vache. Ah oui, ça donne beaucoup d'énergie. La sève à 700. Mais il est malade. C'est un truc commun chez moi. Un homard. Waouh. Non, mais c'est un escroc. Poisson farci. Oh, vache. Oh, wow, faut que j'apprenne à faire des recettes. Salade de choux. Waouh. 213 d'énergie, la salade de choux. Il faut que j'apprenne la recette d'urgence pour le... Petite plante peut servir de décoration. Alors, la petite plante, je dis oui. C'est raisonnable et ça va faire ma déco. Non, mais il est malade, l'autre. Vendre à plusieurs centaines de pièces d'or, la sève. Si je vends la sève à son tarif, la vache, je suis riche. Là, pour le coup, mon château va devenir réalité. Hein. Parce que de la sève, j'en ai plus de 1000. Alors, n'importe quoi. Non, mais il est malade, le mec. Tiens, je vais mettre la petite fleur là. C'est trop mimi. Attends, produit de la mer. Ah oui, merde, faut que je ressorte. Oui, attends. Oh là là, faut que je vide mes poches. Là, non. Alors, produit. Oui, après c'est le coffre vert, la nature de manière générale. Alors, il y a le caillou à ranger. Il y a le champignon commun, il y a les mélanges de graines et les herbes folles, on va dire ça comme ça. Hop, là je te fais du charbon à gogo. Ouh, du charbon, j'en fais en hiver. Ça va faire le chauffage. Ça va faire le chauffage. Incroyable, la saison est finie. La saison est finie. Il n'y a pas un dernier truc en haut de la propriété? Ah, le sapin a poussé, il est beau. Ah, bah voilà, des prunes. Ah, dernier cadeau de l'automne. Oh, puis une en qualité or. Ça se refuse pas. Mais je fais littéralement le tour. Ah, salut toi. Robin, j'espère que Démétrius ne fera pas exploser la maison avec ses expériences scientifiques.
Non, je pense qu'il est raisonnable. Ah merde, je voulais lui offrir une prune. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Oh, tiens, je t'offre la prune qualité or. Merci, c'est un spécimen très intéressant. Tu m'étonnes. Allez, bonne soirée à vous. Merde, attends, oula. Oh, il geek. Ah oui, il a pas de fenêtre dans sa chambre. C'est vrai ça, pourquoi? Tiens, salut toi. Une autre bonne semaine de travail, santé. Bon, elle est défendue. Mais oui, attends. Parce que là, il y a le garage. Ah, il est dans le garage. Ah, ils avaient pas prévu une chambre. Je vais finir par croire que c'était un enfant non désiré, là, Sébastien. C'est pas possible. Ils l'ont installé. Mais ah, oula, c'est le centre communautaire. Non, là, je suis en train de me fourvoyer. Oh, une mur. Trop bien. En fait, sa chambre, c'est le garage. Ah bah merde alors. Je comprends pourquoi il déprime, le pauvre Sébastien. En fait, il peut ouvrir sa chambre que l'été. Pour profiter. Et B. Paraparam param. Paraparip param. Ah, oh, bah, il aurait été vachement sympa cet épisode de Stardew Valley. Ouais, ouais, ouais. Faire des confitures. Attends, c'est quoi, c'est? Le bocal. Ah, le bocal, je vais en faire pas mal. Bois, pierre, charbon. Ah ouais. Bah, je pense que je vais en faire 10 des bocaux. Ce qui fait que je vais avoir une production de confiture. Ça va être un truc de fou. Ça va être énorme. Et B. Alors. Ouais, au niveau de la bouffe. Non, c'est incroyable, je suis une tête. J'ai mon téléphone à côté de moi, je viens d'avoir un appel indésirable. On est à la dernière semaine de l'année, la trêve des confideurs, il est midi et quart, et j'ai un appel d'un numéro non identifié. Ça me dépasse. Oui, bah non, c'est l'hiver qui arrive. Ouais, il fera beau, mais c'est l'hiver. Ah, reine des sauces. Voilà, reine des sauces, la recette est trempette d'artichaut. C'est une manière savoureuse de manger plus souvent des artichauts. Personnellement, je préfère engloutir directement la sauce comme si c'était un milkshake délicieux. Ah, j'ai appris la trempette d'artichaut. Attends, vas-y voir dans la cuisine, c'est où? Soupe à la truite. Ah, oh! Ah, t'as un bonus de pêche si tu fais la soupe à la truite. Il y a certains plats à manger avant certaines activités. Le plateau de racine à manger avant d'aller à la mine patater des ennemis. T'as plus 3 en attaque. Oh là là, salade de radis. Bon, tu me diras, l'huile et le vinaigre coûtent cher, mais 200 d'énergie, t'es refait. Oh la vache, friandise du mineur. Plus 32 en magnétisme. Ah oui, les objets autour de toi, ouais. Énorme. Ah, c'est ça la tempête d'eau aux artichauts. C'est frais et rafraîchissant. Ah. Eh ben, dis donc. Ouais, on arrête Stardew Valley. C'était bien. Wow, cueillette. Plus 1 compétence à la hache. Nouvelle recette de fabrication. Engrais pour arbre. Oh, énorme. Énorme, énorme. Graines sauvages hivernales. Un message de Torota 77. Pour une bonne sauce blanche, il vous faudra des hommes. Ou pardon, ça c'est la recette du porc au lait. N'importe quoi, Torota, mon dieu.
Nouvelle recette de fabrication. Totem de téléportation montagne. Ok. Eh oui, et là non, c'est l'hiver. Voilà. Il n'y a plus rien. Et bah ça, on le verra au prochain épisode. Eh bah dis donc. Incroyable, mais vrai. Eh bah c'était beau, c'était Stardew Valley. C'était la vanne du jour de Torota. Ah là là, énorme.